Revenir à soi. Jamais aller trop loin. Parce que tout se passe là, en soi. Rester centré sur soi, c'est un atout crucial. Parce que c'est là où tout se joue. C'est là où se trouve la source de ce que tu es. C'est jamais quelque part, c'est jamais ailleurs, là-bas. Tu sais, ce que tu peux penser, tout ça, c'est jamais vrai, c'est jamais là-bas. On peut penser, on peut croire que c'est comme ça. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est une histoire. On se raconte des histoires, enfin notre tête, notre mental, notre passé nous raconte des histoires. C'est-à-dire la tête, le mental, le passé, le temps, les pensées, c'est de l'illusion. C'est quelque chose qui te fait marcher. Tu vois, tu n'es plus là. Tu n'es plus présent après. Donc, revenir vraiment là où tu es là et rester avec ça. Parce que tu es vite fait emporté par toutes ces choses, ce monde dans lequel nous vivons est rempli de ce que je parle, ce temps, ce cheminement, cette activité constante de répétition où le passé se répète, où tout se joue de la même manière, et tout ça, ça fatigue l'esprit, parce que l'esprit à ce moment-là, il est occupé avec toutes ces choses. Et quelle grande joie quand tu n'es plus occupé avec tout ça. Ne crois pas que c'est quand tu seras dans la tombe que ça va se passer. Ça va se passer là, c'est sûr. Mais sache que maintenant, tu peux le faire. Tu peux vivre ça. Et si tu ne le fais pas maintenant, alors la vie n'a aucun sens. Parce que tu vivras dans l'illusion. Tout le temps, ce sera de l'illusion. Ce ne sera pas une réalité vraiment. La vie doit être réelle, et pour qu'elle soit réelle, il faut que tu sois présent là. Cette vie, c'est là, et la présence, c'est la vie, et la vie, c'est ce qui se passe maintenant. Et tu vois, quand tu vis maintenant avec tout ce que tu vis là, alors on a tous la tendance de se remémorer tout ça, parce que ça nous donne du plaisir. Et le plaisir, on en veut encore. Donc, parce que tu veux encore, alors tu t'accroches à ce que le passé était, ce que tu as vécu hier, tu veux encore. Donc, tu n'es plus dans ce vivant-là, dans cette expression vivante qui est là maintenant. Tu vois comment, en effet, on se remémore le passé et en fait, on le répète. Et c'est tout ce qu'on sait faire, parce que, en fait, nous sommes impliqués là-dedans. Nous sommes identifiés là-dedans. C'est nous, le passé. Ce que tu es, c'est le passé. Mais quand tu es le passé, tu ne peux plus être celui qui est présent. Et celui qui est présent n'est ni passé, ni futur. Il est là. Il est là, présent. Et ce qui existe à ce moment-là, c'est une effervescence de ce que la vie elle propose maintenant. Et à chaque fois, tu peux être libéré de ce que tu as proposé pour pouvoir tout le temps proposer. Toujours être là avec ce qu'il y a et ne jamais croire que tu peux t'accrocher à ce que tu as vécu pour pouvoir en faire demain quelque chose de joyeux. Parce que la vie, autrement, tu vois, la plupart d'entre nous, on vit une vie monotone. On court, et on espère qu'il y aura quelque chose qui va venir. Mais on court où? Vers quoi? Pour prendre quoi? C'est ton leurre, c'est un leurre. Tu te donnes l'impression qu'il y aura quelque chose. Mais tout est là, maintenant, quand tu respires là.
Tout se passe là, il y a cette quiétude là, cette envie de vivre, d'être dans un élan où tu es propulsé avec la vie, parce que c'est la vie, l'élan c'est la vie, et la vie c'est ce qu'il y a au plus profond de toi. Mais tu ne sais pas que tu es ça, parce que tu voudrais avoir une vie. Mais ce que tu voudrais être n'existe pas. Ce que tu es, c'est la vie. C'est ce qui émerge là, tout de suite, là, d'instant en instant. Tu n'es pas différent de ça, en fait. Ça, c'est toi. Ce qui émerge là maintenant, c'est toi. Mais est-ce que tu sais l'exprimer? Est-ce que tu sais abandonner tout ce que tu as gagné pour pouvoir laisser cette chose être là? Il te faut être fort pour mourir à tout ça. Mourir à ce que tu crois être. C'est-à-dire que si ça meurt, ben alors la vie, elle a la place pour s'exprimer. La vie, elle va passer à travers toi et à travers ce corps, cet instrument que tu as pour circuler dans la vie. Mais ce corps-là, tu t'es identifié avec. Et tu as dit ça, c'est moi. Et c'est lui qui doit causer. C'est pas la vie. La vie, c'est trop incertain. Moi, mon corps, il a besoin de sécurité. Ma maison, ma voiture, mes affaires. Et donc, j'ai peur de ne plus être dans la maîtrise de ce qui m'entoure, de ce que je fais, de ce que je dis. Donc, tu as l'habitude de faire les choses à répétition et tu as peur de quitter cette zone de confort que tu as établie. Parce que la zone de confort se trouve dans l'habitude. Tes habitudes créent le confort. Tu crées des train-trains. Et tu trouves que là-dedans, il y a une sécurité. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que il y a vraiment de la sécurité? En fait, tu es ballotté ça et là par des pensées, des idées, et tu cours des guerres et tu es en train de tout le temps essayer de mettre en place quelque chose qui te semble être sécurisant. Mais la vie, c'est la seule chose que tu as pour te baser dessus. La vie, elle est sécurisante. Si tu la comprends, si tu laisses la vie être, tu vas voir que là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de plus de sécurité dans ce à quoi tu te donnes d'être. Ce que tu te donnes d'être, c'est du vent. Mais ce que tu es, ce que la vie, elle est, ça, c'est éternel. Ça ne meurt pas. Ça reste dans son état original. C'est ce qui est grand, sacré. C'est ça que tu es. Tu es le sacré de l'univers. L'univers, ce sacré-là, il passe à travers ton corps. Mais toi, tu t'es identifié à ton corps et ton corps ne le laisse pas passer. Tout ce que tu as en toi, c'est un barrage pour ça. Parce que tu t'es identifié à ça. Alors que tu n'es pas ça, tu es la vie. La vie qui passe à travers toi. Et quand tu laisses la vie comme ça, tu as compris que ce que tu es, en fait, c'est un ennemi de la vie. Tu ne le laisses pas passer. Tu le bloques à chaque fois. Parce que tu as peur de ne plus exister à travers ce que tu as gagné, l'identité que tu t'es fait, toi, avec mon corps, moi, ma maison, ma voiture, mes affaires. Parce que le corps, tu sais, il est dans l'expansion. Il s'étend au-delà de ce qu'il est là pour s'identifier aux choses de la vie. Et il dit, tu vois, ça c'est mon compte en banque, ça c'est ma voiture, ça c'est ma femme, je suis français. Donc tu vois, ce corps-là, il est l'expression de ce que tu te donnes d'être. Mais en fait, tout un tracas pour toi d'exister à travers des choses. Et en plus, ce sont des choses qui vont
tantôt être là, tantôt pas être là. Et donc tu es voué à vivre dans la peur de ne pas être cela. Mais si tu es ça, ce que tu es pour de vrai ne peut pas être là. Et ce que tu es pour de vrai, c'est la vie. C'est une expression de la beauté qui est là. Elle est présente. Quand tu souris, tu vois, dans ton sourire, à travers ce sourire-là, tu peux voir cette beauté. S'il n'y a pas rien d'autre en toi, parce que tu dois être libre de tout ce que tu es, c'est-à-dire l'expression de celui qui veut être, celui qui veut devenir, celui qui veut s'exprimer, celui qui s'impose. Toute cette expression-là doit cesser. C'est ça, mourir à soi-même. Ça te demande beaucoup de force. La force de quitter tout ce à quoi tu t'accroches. C'est-à-dire la force pour lâcher prise. Et tu vois, quand tu lâches prise, ça veut dire que tu as acquis une certaine sagesse, une certaine sécurité, c'est-à-dire cette force de la puissance de l'univers, tu as la puissance de l'univers pour rester ce que tu es. Tu vois, tu es en accord avec toi-même, tu es connecté avec ce que tu es. Tu es intègre. Tu es vrai, tu es présent. Il y a de l'honnêteté intégrale. Tu ne te mens pas. Tu ne crois pas que tu es un personnage quand même. Quelqu'un qui joue un rôle dans le monde. Non, ça c'est ton corps qui veut jouer un rôle. C'est-à-dire le corps, tout ce personnage, ces histoires qu'on se raconte. Tout ça c'est le passé. C'est l'héritage de la race humaine avant toi qui t'a donné ça. Et tu t'es identifié avec ça. Mais ça, c'est pas toi. Beaucoup de monde se croit être ça. Mais en fait, ils sont déçus parce que, en fait, c'est jamais vrai. Et ils sont déçus parce que ils s'accrochent à ça juste pour s'apercevoir qu'il n'y a rien. Et tout dégringole, tout se fane. Parce que tu ne peux pas prendre, c'est éphémère. C'est quelque chose qui n'existe pas, ça existe dans l'imagination, dans les histoires que tu te racontes. Parce que les histoires que tu te racontes, c'est quoi? Ben, c'est tout le passé que tu as, le plaisir que tu as, tu veux le ruminer encore et le mettre en face de toi pour pouvoir avoir un peu de répit à la monotonie que tu vis. Tu vis tout le temps dans la monotonie. Donc ce que tu veux être, ben, c'est un paquet de joie. Mais en fait, pour être cette joie-là, il faut que tu abandonnes tout ce que tu penses être la joie que tu cherches. Donc il n'y a rien à chercher, rien à devenir, rien à acquérir. Il suffit juste de voir que tu es en train de courir après un mensonge. Tu vois, si tu sais, tu as vu que tu courais après un mensonge, c'est fini. C'est fini, la course elle est finie. Tu es là. Là. Maintenant, tu as trouvé ton ancrage. Tu es là, présent. Et il n'y a plus ce qu'on appelle le personnage. Ce moi, il s'est dissous là. Il revient de temps en temps, il essaye de. Mais quand il est dissous là, tu prends possession des lieux. La vie prend possession des lieux. Et quand tu es cela qui a pris la possession des lieux, alors dans ton entourage, dans tes relations, dans tout ce que tu fais, il n'y a rien de regrettable. Il y a de la joie. Il y a de l'harmonie dans tout ce que tu fais. Tu n'essayes pas d'arranger quelque chose. Tu ne t'inquiètes pas parce que les choses ne sont pas comme il faut.
soi-disant. Il n'y a rien qui doit être selon les critères. Ce sont des critères, ça. C'est les critères du passé. Le passé a dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc toi, tu veux le répéter. Parce que tu es devenu ce passé et tu crois que tu es cela. Donc ça t'offusque de voir les choses qui ne sont pas comme toi. Mais ce n'est juste qu'une identification que tu t'es donné d'être. Et ça, c'est pas toi. Mais toi, tu es offusqué parce que tu dis, ah non, il pense pas comme moi. Donc en fait, tu es tout le temps en conflit avec toutes les idées qui trimballent sur la place publique, comme ça. On a tous envie de se bagarrer avec tout ça qui n'est pas comme moi. C'est pour ça que je te dis, tout ça, c'est quelque chose que tu dois voir pour pouvoir en être libéré. Libéré de ce que tu crois être. Celui qui se libère de ça, il a une grande joie parce qu'il n'a plus rien pour s'inquiéter. Tu sais, le comble de l'homme, c'est de devenir ce qu'il n'est pas. D'essayer d'être ce qui n'a aucun sens en fait. Parce que tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même pour dire que tu es cela, mais alors que tu n'es pas. C'est juste une identification. C'est un rôle que tu joues. Et le rôle, c'est un rôle, c'est pas toi. Tu joues le rôle, ok, mais c'est pas toi. Toi, c'est qui? Est-ce que tu as touché à ça? Est-ce que tu as eu la force de mourir à toute cette histoire qui se trimballe dans l'existence? Il te faut avoir beaucoup de réflexion, de méditation, de te pencher là-dessus. Tu vois? Parce que c'est tellement impliqué dans des schémas de pensée qui ont été conditionnés depuis des milliers d'années. Il faut que tu sois attentif pour savoir que tout ça, c'est faux. Ce que tu crois être vrai est faux. Est-ce que tu es prêt à voir ça? Parce que si tu vois ça, tu es complètement démonté. Tu es déchiré. Parce que tu es choqué même de savoir que toute ta vie, tu te mentais. C'est pas toi. C'est ce que la vie est. C'est ce que tu es. La vie. Et la vie, ça coule. Ça coule comme une rivière de beauté. Et cette rivière de beauté, quand elle coule, à côté de la source, comme ça, elle donne l'harmonie, la joie, la paix. Tout est en ordre. Il n'y a pas de couac. Il y a juste l'ordre. Un ordre parfait. Tu sais, la joie. C'est un ordre parfait en soi. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui est en désordre. Il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus le passé qui se bat avec cette présence. Donc il faut que ce passé soit vu pour ce qu'il est. Il est OK, il existe le passé. Je ne dis pas de devenir un légume, il ne faut pas que tu sois un légume quand même, mais que tu sois quelqu'un qui a compris que s'identifier à quelque chose qui n'existe pas, ça n'a aucun sens. Donc, tu as besoin du passé, bien sûr. Si tu veux rentrer chez toi tout à l'heure, tu dois faire un zigzag pour y arriver. Et donc il faut savoir les zigzags qu'il y a à faire. Et ne pas faire un zag quand il faut faire un zig. Mais en fait, ce que tu es, tu vois, c'est cette effervescence. Cette effervescence qui n'a aucune retenue. Il n'a aucun concept. Aucune
idée de ce que le bien et le mal est. Il est au-delà de tout ça. Ce que tu es, c'est tout ça. Donc tu regardes ça avec un œil qui voit la scène d'en haut. Et quand tu vois toute cette scène, tu es celui qui met l'ordre. Tu sais, nous sommes l'avant-garde de l'ordre dans la relation. Si tu as pu comprendre que ce que tu es n'est pas ce que tu joues, alors tu vas cesser de jouer et tu vas être celui qui met de l'ordre. Tu vas mettre de l'ordre dans la scène incongrue que nous connaissons tous. C'est-à-dire le passé qui se réitère tout le temps et qui se répète. Et là-dedans, il y a de la monotonie. Il y a du désordre. Parce que tout le monde veut se faire valoir. Et là, on est en train de dire que tu es la beauté qui vient dans le monde et tu es un don pour ceux qui souffrent.